Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, c'est pas dans la nouveauté, c'est dans 2014 Core 7. On est allé, moi puis mon collègue de MTGQ, à Québec, il y a quelques semaines déjà, puis on a déjà parlé de jouer Commander, on a fait un deck de Commander, moi j'en ai pas. Ça m'a tout pris pour devenir être capable de jouer en standard, puis là, il faudrait que je joue Commander en plus. Puis là, on s'est dit, bon, ben, on va faire un Commander de Sliver. Et Sliver, ben, je les ai toutes dans les vieilles éditions parce que je les ai les 7 complets en tant que collectionneur. Parfait pour un Commander. Mais là, il nous en manque. Puis on a mis la main sur deux boîtes. Core 7 2014, Core 7 2015. Puis ça donne que c'est dans ces deux sets-là qu'il y a les autres Sliver que moi, j'ai pas. J'ai pas ces sets-là. Donc, aujourd'hui, on va déballer le 2014, puis on va chercher les Sliver qu'il y a dedans. Je pense qu'il y en a un qu'on cherche en particulier, c'est... Ive Lord. La Land. Ah, la Land Sliver Ive. Non, ça c'est du 2015, ça. En 2014, là, on cherche le Sliver 1-1 qui rend les autres Sliver Flying qui sont vraiment en bleu, je pense. Surtout. Game Rider Sliver. Ouais. Fait qu'on va commencer tout de suite. En tout cas, ça a l'air d'être des vraies boîtes pas recellées, là. La manière que c'est amanché, là. Sliver. On va tout mettre les slivers qu'on trouve de côté pour commencer. Oh! Nightmare! Nightmare! Faut le dire avec le Nightmare! Un classique! Oui! Il n'y en a pas tant que ça des slivers, j'ai pas regardé. Ah, il y en a un. Trading Post. Oh. Ah ouais, ça va aller plus vite. Si on y va. Ouais. On va confondre le monde à essayer de regarder deux choses en même temps. C'est pour ça que sur la vidéo, on est capable de faire pause. Oh! Striking Sliver! Ground Shape Sliver. Tenacious Dead, au lieu de Tenacious D. Oh! Battle Sliver! Ring of Three Wishes, une première mythique. Une première mythique, mais selon Internet, en live. Et tu t'en parles dans la première page. En fait, fait back. Moi, je continue. 3 US. 3 US. Ouais. On a connu mieux. Oui. Imposing Sovereign. Mais c'est pas un sliver. Non. Non. Ce qui est le fun quand on cherche des slivers, c'est qu'il faut regarder toutes les communes, toutes les uncommunes, puis toutes les rares. Oh! C'est un gay sliver! Battle Sliver, deux fois. Witch Stalker, puis on a un Dawn Starlight Paladin Foil. Oh! Avec un Witch Stalker. Oh! Puis il était où, lui? T'es rendu dans la colonne de 5? Jay Sunet, ouais, il est dans la 5. Colonne de 5. Mais c'est Jay. Je sais pas si. 2014, là, est sorti en quai. Pour vrai, 2013-2014. Ouais. Fait que je sais pas si 5, 4, 5 ans. Pas sûr qu'on a le value de la boîte.
en value. Non, 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 là, il y a la carte. En date d'aujourd'hui, là, Archangel of Tune à 15$, c'est le top. OK. On va voir, mais qu'on envoie une passée. Oh! 5D. Ouais, ben quand même! Mutavolt. Mutavolt, Mutavolt. On va le laisser là. Creator Sliver, si ça y tente. Excusez-moi. C'est quand même la deuxième. La deuxième. C'est un Ox. Ouais. C'est pas un Sliver. Je suis pas sûr que tu aies assez de Ox pour faire un Tribal Ox. Une fois, les zombies. Les zombies, t'as skippé la. Ouais, et où la rare? C'est Jace. Ah, excuse-moi, ok. Elle m'a pas fait. Jace, Mudseeker. Ouais. Je vois le power, je vois le casting cost. Ça vient de régler. Oh! Strike un Sliver. De toute façon, Sliver en. Mindstone. Ouais. Millstone, pas Mindstone, Millstone. Millstone. Ouais. Tape 2, tape 10 cartes. Silence. Ça, c'est bon. I kill you. C'est bon. C'est bon même dans un deck de Commander de ce jeu. Mais on verra. Quand on va le construire, on va faire un deck tech. Évidemment. Qui dit Commander dit aussi carte de l'âge de Legacy Vintage. Puis on en a quelques-unes. Oh, Sliver rare! Ok, il fait quoi lui? Thorncaster Sliver. Il deal un dommage. Ok. Ok, ça peut doubler. Là. Mais 2014 Corset, c'est pas assez vieux pour nous rappeler des souvenirs. Les dessins sont changés, le format des cartes est récent. On dit qu'il faudrait se trouver une boîte avant le 8. Un jour, peut-être. Predator et Sliver. Un jour, peut-être. Goblin Scout. Dans le fond, d'un petit village d'un marché au plus. Ouais, elle sera peut-être pas scellée, mais. Pierrick Sword. Ah! Oh. On va se dépêcher. J'ai déjà dit en ligne dans un précédent vidéo. Ouais. Une vidéo trop longue, ça, pas le fun. Non, mais quand même savourer l'ouverture. Oui, M14. Giant Grow. Ouais, j'en ai un comme ça qui est tout défait, je vais le remplacer par lui. Cool. Une de mes cartes préférées, les Goblins Diplomates. Ah, oh, ouais. C'est vraiment pour le dessin que c'est une de mes cartes. C'est quoi cet enchantement-là? Out of the Ancient Wood. Non, pas vraiment. Pas vraiment de. C'est pas un Sliver. Non plus, ça n'a pas d'habileté. Ah, Sliver. Ah oui. Deux Sliver. Striking Sliver. Ah ah, Liliana. Ouh, Garruk. Ouh. Un beau Garruk. Jouable encore. Celui-là. C'est moins trop, you may put a Green Tracer card from your hand on the battlefield. Oui, oui, oui. Commander vert. Ouais, oui. Un crabe. Penses-tu que si on mélange les ox et les crabes, on est bon pour faire un commandant? Tribal. Choc. Oh, Shadowborn Apostle. C'est vrai, on oublie de les checker, eux autres. Un commandeur fait avec ça, parce que tu peux en avoir autant que tu peux dans un deck. Comme les rats, puis. Un peu comme, c'est ça, comme les rats. Fait qu'il y a un deck qui joue avec des démons, puis des Shadowborn Apostle. Faudrait checker si on n'a pas les autres. Je vais rescanner vite la pile.
Tiens, Hive Steering, c'est quand même relié au serveur. C'est bon, celui-là, Matt? 7. Steel Form Sliver. Je dis, il est bon. Ça, c'est là, ça veut dire. Et voilà. Hey! Jusqu'à date, ça va bien. On va demander à mon assistant d'aller rajouter un onglet sur Internet live pendant la vidéo pour aller regarder les slivers de Core 14. On va les compter à la fin de l'ouverture. On va voir si on était chanceux, on les a toutes pognées. Ce qui serait super. Bon. Les internets. Équipement plus 0 plus 3 vigilance. Ouais, ça n'a pas de. 10 minutes into dream. Quelle pile t'as commencé à regarder ici? Aucune en fait. Tu vois, ils sont plus faciles à ouvrir les vieux paquets. Ils sont plus faciles à ouvrir un peu. Oh oui. Blur Sliver. Sliver plus M14, Gatherer Search. Ça, c'est le voyons. Le reprint, c'est ça. Le reprint, je le renomme. Hein. Combien il y en a de résultats en haut? Ben, ils sont conscients, c'est 14. C'est 14 slivers différents dans M14. Dans M14. On va regarder ça à la fin de l'ouverture. Monsieur Gadat, c'est bien parti. En tout cas, on voit que la boîte n'était pas comme certaines boîtes qu'on a déjà pu voir sur d'autres vidéos de d'autres chaînes de Magic. Des boîtes scellées, des boosters scellés, mais qui ont été ouverts et recellés. Je pense pas que M14 a assez de power dedans pour justifier qu'on fasse ça. Non, effectivement. Oh wow! Shivan Dragon Foil! Nice! J'ai déjà voulu acheter cette carte-là, on n'a pas voulu me la vendre il y a plusieurs années de ça, quand on était petit cul puis qu'on jouait à Magic, parce qu'on la trouvait cool qui booste, mais là, qu'elle soit foil. Elle est belle, elle est belle. Elle vaut rien, mais elle est belle. C'est toujours plaisir. Ben, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit que c'est une boîte originale parce qu'on a sorti Mutavolt, on a sorti Garruk, le Sliver. Un Shivan Foil. Ça fait qu'on voit que c'est pas, ça n'a pas été ouvert. Un Shadowborn, par exemple, jusqu'à là, je sors. Là. C'était-tu une commune que t'as sorti dans le temps? Oui, c'est une commune, le Shadowborn. Ouais, il y a des communes. Lightning Bolt, quand ils l'ont réimprimé, c'est M10 ou M11 la première fois. M10? Ils l'ont resté une commune encore, puis il y en avait, après 3-4 boîtes ouvertes, dans ce temps-là, il n'y avait pas tant. Il n'y avait pas tant que ça. T'en avais pas 25, là. C'est probablement pour ça que le Shadowborn est. Diabolique Tutor. Ouais, il y a Jace aussi. On n'a pas les ouais, c'est hein? Ça, Jace. Non, on a. C'est quand même. On a pas mal les premières colonnes des prix d'aujourd'hui. Une belle boîte. Ouais. On n'aurait pas été déçu si on était encore dans le standard. En M14, le standard existait comme il existe aujourd'hui. Il me semble que oui. Ouais. Oui, j'étais passé les types 2. Il me semblait que j'avais vu un S aussi. J'ai reculé. C'est un écrasonateur. Ouais, trois slivers dans le même booster. Ouais, pis ça c'est quoi ça? Pyromancer Gauntlet. Ah, c'est pas un doublage de trucs rouges ça? Ah, Shadowborn n'a pas ça. Allez, après.
OK. Des ox, des cyclopes. C'est quoi l'autre que j'ai dit tantôt? Des crabes. Des crabes. Je pense qu'on est capable pour avoir 40, 50 cartes. Seraph of the Sword. Corrupt. J'aime le dessin. Chandra Phoenix. Je sais pas si tu trouves ça tantôt. Sentinelle Sliver, Bleu Sliver, Clone! Ouh! Moi, j'ai quand même, je préfère les originaux. Ben oui. Oh! Ouais. C'est toujours... ça va avec. Ça va avec. On a, si on fait une recherche dans... de Gatherer, de Wizard, on peut trouver, je pense, deux. Il y avait combien? Deux ou quatre cartes qui parlent de Sliver sans être d'un type Sliver. Je pense pas plus que ça. C'est vraiment un. C'est bon, ça. Dans un commander d'équipement. Okay. Enchantement, ça, là. Il y en a un qui est enchantement, il y en a un qui est équipement. Millstone. Ah! Door to Destiny. Door of Destiny, c'est très bon ça dans un tribal. Probablement qu'il faut vouloir jouer ça dans ton sliver. Faut... On était rendu, il nous restait combien de slots dans le deck de sliver? Je me souviens pas. 34, 35 à remplir, me semble. Pas plus que ça. Ouais, le cocher, c'est une erreur ça. Sentinel sliver. Fiend Slayer Paladin. Je pense que c'est la première fois que je vois une cocatrix en ou pas en vert. Pas en vert. De type, là, si on se concentre sur les types, on change de sliver. Non, Planar Cleansing. Pas mauvais. Pas mauvais. Bon, je sais pas. Ça fait juste un board wipe. Claustrophobia. Oh, on a vu la noire. Bug Brew Witch. Tiens, on se le rend à Ken. Parfait, on met des dés dessus après. Chimérine, Un zillion de fois. Ok, c'est... non, je me suis trompé avec. Mais si on est-il dans M15, c'est la prochaine. Ouais. Oh! Oh! Je sais pas si on l'avait vu déjà. Mégantique Sliver. Reste 3. C'est le chien qui est pas content. Ah. Hey Mathieu, je te laisse finir les deux derniers. Moi, je vais commencer à compter les sliver. Compter les sliver. C'est bon. Ouais. Ah, ben, non. Hey, Shadowborn Impostor. C'est le fun d'ouvrir un booster et voir un Shadowborn en partant. Et celle-là, la commune, tu disais qu'il valait 5$? Oui, monsieur. Ah. Sera Angel. On les met tous dans le temps. Avec un beau dessin. Bon, on va tout de suite... Dark Prophecy. Seiko Strike Foil. Hey, il nous en reste un petit dernier. Est-ce qu'on est chanceux? J'en ai même eu le token. Hein? J'en ai même eu le token. Ouais, il y en a probablement plusieurs, c'est juste que j'ai... lui, je l'ai checké. Non, c'est ça. Ah, Predatory Slaver. Indestructibility. Et, c'est fini. Oh. Est-ce qu'on a eu un Slaver de chaque? Ben moi, je pense qu'en ayant le bleu, là... Oui, le bleu, le Mégantic. J'ai vu tantôt. On est là le bout. Survive Saint-Sterring, on va être en sec, ça compte pas. Ground. Pas ça.
Lui, on l'a deux fois. Bon, ça fait combien, ça? On a-tu cadré ici, Mathieu, là? Yes, sir! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lequel nous manque-t-il? Il en manque un noir, vite comme ça. Il manque un noir. Battle Slaver, tu l'as? Ouais, en ordre, t'es en ordre alphabétique, toi? Battle Slaver. Ça, les ouais. Bleu Slaver. Ouais. Il manque Bone Sight dans le blanc. Ah, ok. Rare, commune, non commune? Rare. Rare, ok. Glaive Rider, tu l'as. Ground Shaker, tu l'as. Ouh, trop vite, là. Glaive, lui. Celle-là ici, Manawif, Megantic, tu l'as, Predatory, Sentinelle, Sliver Construct, qui est un artefact. Ah, ok. On l'a peut-être skippé, celle-là, c'est une commune. C'est un artefact? C'est une commune, ouais. Y a-tu l'artefact Sliver ou qui compte? Artefact Sliver, ouais. Steel Form Sliver, tu l'as, Striking Sliver, tu l'as, puis Siphon Sliver. Stéphane. Non, ça j'ai pas. C'est ça, il manque l'artefact, le Stéphane, puis. Le blanc. Un artefact, un noir, un blanc. Ouais. Ben, je sais l'artefact que d'après moi, c'est parce qu'on l'a juste skippé. Mais y est-tu artefact Sliver ou. Ouais. Ok, ben je l'ai pas. Moi, je pense pas de l'avoir skippé. Genre, je me concentrais beaucoup sur les titres. Mais bref, c'est très content parce que une boîte, on cherchait en plein ça dedans, puis on les a trouvés. Puis notre target, c'est Commander. Fait que dès qu'on en a une, on est content. On est content. Hey, merci d'avoir été là. On se revoit une prochaine fois. Bye bye.